Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un terme que vous m'entendez souvent évoquer, mais suite à quelques questions que j'ai reçues de la part de certains spectateurs, je me rends compte que je n'ai pas vraiment expliqué ce que c'était, ni son importance dans le monde de la santé. Je remercie ces personnes qui m'ont demandé d'éclaircir ce sujet, et j'espère que cette vidéo répondra à tous ceux qui se poseront la même question. Et juste avant de commencer, si vous appréciez notre travail et nos vidéos, je vous invite à vous abonner et à partager tout ça avec vos proches, sans oublier le petit pouce en l'air. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Alors, vous l'aurez compris, avec le titre de la vidéo, je parle du terme de fenêtre thérapeutique. C'est un concept important à comprendre, que ce soit lorsque l'on prend des médicaments, que l'on suit des traitements médicaux, ou bien évidemment lorsque l'on utilise des huiles essentielles. La fenêtre thérapeutique, qui normalement est connue de tous les professionnels de la santé, se réfère à deux choses. En premier, c'est la plage de concentration d'une ou des molécules dans le corps. C'est-à-dire la durée pendant laquelle on prend un traitement, que ce soit avec des huiles essentielles ou des médicaments, qui permettent de traiter une condition donnée sans causer d'effets indésirables graves. Par exemple, le paracétamol. Il peut être nocif pour le foie lorsqu'il est pris en trop grande quantité. Il est généralement considéré comme sûr et efficace lorsqu'il est utilisé correctement et dans les doses recommandées. Cependant, une surdose de paracétamol peut provoquer des lésions hépatiques potentiellement graves. C'est vraiment pour vous faire comprendre que ce n'est pas seulement un concept lié à l'utilisation des huiles essentielles. Vos médecins ne vous en parlent peut-être pas systématiquement, mais normalement, ils la mettent en application à chaque fois qu'ils vous font une prescription. Et la seconde chose à laquelle se réfère la fenêtre thérapeutique, c'est l'intervalle de temps entre deux périodes de traitement. C'est ce à quoi je fais généralement référence pour la plupart des vidéos dans lesquelles vous m'entendez parler de fenêtre thérapeutique. Il est crucial de comprendre qu'elle représente un équilibre délicat entre obtenir les résultats souhaités du traitement et minimiser les risques potentiels. Si la concentration du médicament est trop faible, il ne peut pas être suffisamment efficace pour traiter la maladie ou les symptômes. D'un autre côté, si la concentration est trop élevée, ça peut entraîner des effets secondaires qui peuvent devenir dangereux ou toxiques. En ce qui concerne les durées de pause entre les doses, il est tout aussi important de respecter cet intervalle précis. Cela permet au traitement d'être métabolisé et éliminé du corps avant la prochaine dose, évitant ainsi une accumulation excessive ou une concentration insuffisante de molécules. En plus d'optimiser l'efficacité et la sécurité du traitement, la fenêtre thérapeutique peut également aider à prévenir l'accoutumance à la ou les molécules prises lors du traitement. Lorsque l'on utilise des huiles essentielles, c'est plutôt cette partie-là qui nous concerne. Quand vous prenez régulièrement une synergie d'huiles essentielles, votre corps peut développer une tolérance à ces effets, ce qui signifie qu'il peut devenir moins réceptif à la substance et nécessiter des doses plus élevées pour obtenir le même effet thérapeutique. En résumé, respecter la fenêtre thérapeutique, y compris l'intervalle entre les doses, contribue à éviter cette accoutumance. En espaçant les prises, le corps a l'opportunité de métaboliser et d'éliminer les molécules de manière plus complète, réduisant ainsi le risque de développer une tolérance. Ça permet de maintenir l'efficacité du traitement à des doses plus faibles et d'éviter la nécessité d'augmenter constamment la dose pour obtenir les mêmes effets thérapeutiques. En gros, on vient sevrer ou réinitialiser le corps pour que ces molécules restent efficaces tout au long de notre vie. Il est donc essentiel de suivre scrupuleusement les instructions de votre médecin, des ouvrages thérapeutiques que vous lisez ou de tout autre professionnel de la santé concernant la fréquence et l'intervalle entre les doses, ainsi que de prendre en compte ses propres caractéristiques individuelles. Cela garantit une efficacité et une sécurité optimale du traitement. Une question qui revient de temps en temps, comment détermine-t-on une fenêtre thérapeutique pour un traitement? Alors, il y a beaucoup d'études pharmacocinétiques qui ont été faites pour des centaines de molécules, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux comprendre comment le corps, en général, réagit à telle ou telle molécule. Ces informations nous aident à déterminer la dose appropriée en fonction de cette fenêtre thérapeutique et des caractéristiques ou facteurs individuels. Parmi ces facteurs figurent l'âge, le poids, le sexe et les conditions médicales spécifiques. Les molécules peuvent être métabolisées différemment chez les hommes et les femmes, en fonction aussi de leur poids et de leur âge. Autrement, la question des conséquences d'une concentration trop faible d'huile essentielle pour le corps. Alors, bien entendu, on va réduire leur efficacité et en soulagera moins certains symptômes. En revanche, une faible concentration d'huile essentielle
lorsque c'est la première fois qu'on les utilise pour traiter certains symptômes ou maladies, nous permet de se laisser le temps d'ajuster convenablement les doses ou de modifier la voie d'administration pour obtenir des résultats satisfaisants. Ça nous laisse le temps de mieux comprendre comment notre corps ou celui des personnes que l'on suit réagit en fonction de certaines molécules. Prudence est mère de sûreté. C'est pour cette raison que j'invite les personnes qui souhaitent devenir indépendants dans leur utilisation des huiles essentielles de suivre une formation de qualité. Et bien évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse en vous donnant rendez-vous sur sanitas-arte.com. Ensuite, une des autres questions que j'ai déjà entendues, comment peut-on mesurer et surveiller la concentration d'une molécule dans le corps pour s'assurer qu'elle reste dans la fenêtre thérapeutique adéquate? Alors, le ressenti ne fait pas tout et malheureusement, il n'est pas toujours très exact. Donc, au-delà de l'expérience, il existe plusieurs techniques, comme les analyses sanguines, urinaires, salivaires, et d'autres fluides corporels, tels que le liquide céphalorachidien ou le liquide synovial. Ces méthodes sont plus invasives et sont généralement réservées à des situations particulières. Il est important de noter que la surveillance de la concentration d'une molécule dans le corps est réservée aux médicaments ayant une marge thérapeutique étroite ou des effets secondaires potentiellement graves. En général, les huiles essentielles ne nécessitent pas de surveillance et de mesure de leur concentration dans le corps, tout comme la plupart des médicaments conventionnels. On s'adaptera à la sensibilité individuelle de la personne, on choisira la meilleure voie d'administration possible, avec la dilution la plus appropriée. Très bien, ça commence à faire une longue vidéo, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle répondra au mieux à vos questions. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air et de partager nos vidéos pour nous aider à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires vos questions, vos suggestions ou autres. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.